Mais quel roi. On n'est pas là pour être ici, hein. On a besoin de sa dose, hein. Mais là c'est sûr. Hein. On continue notre aventure avec la France. On continue notre aventure avec la France. On fait un test avec la France, c'est un peu ça qu'on est en train de voir. On fait des tests avec la France. On fait des tests avec la France. L'addiction MDR, à peine. C'est pas vraiment une addiction, c'est plus... c'est pas vraiment une addiction. Ça va, c'est ok en vrai. Du coup, on était sur doctrine aérienne pour avoir plus 50%. Ok, pour avoir plus 50 sur la doctrine aérienne. On était comment sur nos stocks là? Alors, on reprend. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, on était sur notre aventure Hearts of Iron qu'on avait commencé juste avant avec la France. Et donc, on est en train un peu de voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut un peu améliorer ici et là. Tac, tac, tac. Châssis de char léger. On n'avait pas fait notre char... On avait fait notre châssis entre deux guerres. On a que 15 de... Alors attendez, le seul truc c'est qu'il faudrait que j'ai un gap pour avoir de la doctrine terrestre supplémentaire. Voilà, c'est lui, Gamelin. Ah, je peux pas l'avoir encore, ok. Oui, pas de défendre les Ardennes. Oui, il faudra pas oublier. Exactement. Donc, on est sur notre dossier, sur notre DOS là. Et on va débloquer ça pour avoir plus de portée sur nos... Ça, ça va être pratique. Très bien. Donc là, c'est pour avoir plus de... Ok. Canon anti-aérien. Ok, donc là il va falloir quand même qu'on fasse notre notre char quoi, c'est ce que je me dis quand même. Modèle artillerie tracté. Il faut qu'on du coup on sorte... Attends, c'est ça du coup? Notre nouveau modèle d'artillerie tracté, c'est ça? C'est ça, on est comment sur l'artillerie tractée là? Il nous faudrait plus d'unités quand même là. On est en mars 39, on est un peu en retard je pense, ça va être chaud. Est-ce qu'on peut faire une... là on est combien? On a du matériel de soutien, des chars légers. On a de l'artillerie, on en a pas mal. Mais ça coûte tellement cher le... Quoi, je vais ajouter des divisions quand même. Voilà, 11 divisions, hop là, à Paris, pour qu'ils s'entraînent. Là, je peux rien modifier parce que... Attends, je vais mettre Gamelin sur le gouvernement pour avoir de la doctrine terrestre. Sinon ça va être relou, on pourra pas avancer et ça sera casse-pied. Là ça va être... Là on va être en retard sur plein de trucs, là on n'aura pas... Tenir en 39 ça va être chaud, hein. Parce qu'en fait on n'a pas eu le temps de trop de faire des trucs et tout. Merci beaucoup pour le raid pompon. Bonjour à tout le monde, bonjour à ceux qui arrivent. On a repris la phase derrière, on a repris la phase derrière. Merci beaucoup tout le monde, j'espère que vous allez bien les fleurs. On a repris la phase derrière sur Hearts of Iron. Hop là, doctrine aérienne, on est en train d'essayer de gérer un peu notre partie avec la France. On est en 39, c'est un peu chaud parce qu'on est en retard, mais on va essayer de faire au mieux sur, on va essayer de faire au mieux sur cette... Tiens, encore, on va faire revenir, hop, le premier empire. On essaie de faire au mieux appui aérien, intégrité. Attends, je vais surtout essayer là, avant mes doctrines. 1700 personnes sur du HO Ecrat, je crois que c'est un record. Bah, en vrai, sans doute, parce que Hearts of Iron, à mon avis, il n'y a pas grand monde qui regarde. Et... Mais c'est un jeu hyper passionnant, comme j'en parlais en live tout à l'heure avec Pompon. C'est un jeu qui est vraiment génial. Qui te donne envie de tester plein de choses. Si t'es fan d'histoire en plus, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Donc le jeu est vraiment cool. Difficile mais vraiment cool.
Châssis moyen, donc est-ce qu'on peut faire une tourelle légère avec une tourelle triplace? Armement lourd. Non, c'était pas celle-là, c'était... Je peux pas la mettre celle-là. Canon haute vélocité. Je peux mettre canon léger, radio. Hop, est-ce qu'on peut mettre un composant C'est vrai que je manque un peu de percée, quoi. C'est assez terrible de manquer de... Tourelle triplace, est-ce que c'est celle-là? En fait, le seul truc, c'est qu'on manque de trucs sur l'armement intermédiaire, quoi. J'ai 30 d'attaque, armement lourd. Je peux pas mettre l'armement lourd. Ah, je peux mettre ça. Alors, 43 de percée, 45 de... Mais du coup, je peux mettre des moteurs en plus. Suspension Christie. Je peux mettre du rifté. Sauf que ce serait bien qu'on soit à 8 km/h. On est pas mal en vrai. On peut choisir nos modèles de char moyen, ça me tue. Hop là, comme ça, en mode Renault FTV. Hein. L'AMC. Et on fait le libérateur. Ah, il me coûte 41. Oh, mais j'ai que 21 de... Ah, il me coûte 41. Terrible. On pourrait aller le chercher, mais on peut pas aller chercher tout de suite. Ok, super. Le libérateur, ça aurait été bien, mais on peut pas aller le faire tout de suite. Ça nous demande un peu trop de doctrine. Par contre, je peux faire le chasseur. Par contre, je peux faire le chasseur. Ça, c'est possible. Si je fais... je peux créer... Donc là, je pouvais pas créer mon blindé parce qu'il me manquait de la doctrine terrestre. Donc, ils sont des points d'expérience. En revanche, on peut faire notre chasseur parce qu'on a de la doctrine... c'est notre cellule moyenne qu'il fallait qu'on fasse. C'était c'était celle-là. Armement de bombardier tactique. Armement de chasseur, mitrailleuse. Est-ce que je peux mettre des mitrailleuses lourdes? Là, on peut mettre armement AR, support de bombe. Ok, est-ce que je peux lui rajouter un carburant? Il va être lourd à produire, mais... Composants spéciaux, hydravion, coque, tourelle défensive. Bombe stratégique. Yo, t'es quel, comment ça va? Prends moteur, prends deux moteurs plutôt. Ah ouais? En fait, je vois pas ce que ça change, deux moteurs. T'as moins... Parce que si tu prends deux moteurs... Ah oui, celui-là. Tu gagnes en poids, quoi. Ok. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour les Raiders. Bonsoir à ceux qui arrivent. Bien sûr, on est sur Hearts of Iron. Et on peut dire... t'as moins de poussée. Ok. Ça sert à quoi la poussée? La poussée représente la capacité d'un moteur à propulser l'avion. Plus la poussée surpasse le poids de l'appareil, plus la vitesse est grande. Ah, ok. Ok, ok, ok. Ça, c'est bombardier tactique. Donc ça, c'est pour...
Parce que moi, j'aimerais bien qu'il soit fort au sol contre les... Attaque au sol plus 14, attaque au sol plus 14, agilité moins 30, poids plus 8, moins 8, ok. Yo Manop, comment ça va? T'as commencé direct en 39? Non, non, on a commencé là. Le modèle doit avoir un nom. Hop là, le victorieux. Hop. Matériaux non stratégique. Ok, bon écoute, on tente comme ça. On tente comme ça. Il manque quoi? Appui arrière rapproche. Pour ces missions, le poids excède la poussée. Ah, je suis trop lourd, c'est ça? Il faut que je sois à combien de poussée sur... Ah, c'est les mitrailleuses lourdes qui... c'est trop lourd encore. Est-ce qu'on peut mettre deux canons? Ouais, je suis trop lourd sur ça. Faut que j'en supprime un quoi. Ok. Faut un moteur en étoile absolument. C'est-à-dire un moteur en étoile. Bah j'ai pas le moteur en étoile pour l'instant. Terrible. Hop, je vais mettre le victorieux ici. Hop là. Hop, je vais mettre un peu plus ici. Ok. Recherche le moteur 3 pour plus tard. Ah, le moteur 3. Il est où le moteur 3? Ah, c'est celui-là. Mais je pouvais même pas aller le chercher encore. On est comment sur nos avions, là? Parce qu'en vrai, j'en produis depuis un moment, hein. J'en ai produit. Ok, j'en ai pas encore produit. C'est étonnant parce qu'en vrai, j'en ai quand même fait depuis un moment. Genre, c'est cela là. Chasseur. C'est marrant. Enfin, c'est marrant. C'est chaud parce qu'on est déjà en avril 39. Aïe, 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 ça va être compliqué. Parce qu'en fait, je manque de doctrine militaire, tout ça, donc ça va être chaud de ouf. Char moyen, châssis amélioré. Ok, très bien. Transmission niveau 2. Pour l'information. On part sur quoi? Destruction stratégique, appui aérien, intégré opérationnel. C'est appui aérien. Je vais pas te stresser, mais ça va être... Il faudrait au moins une domination aérienne pour ne pas te faire bombarder H24. Ouais, je sais. Mais on teste, hein. De toute façon, c'est la première fois que je fais la France comme ça, donc on teste des trucs, on voit ce que je peux faire. Tu vois, c'est un peu, une partie test, on va pas se le cacher, ouais. Ouais. Là, des chars légers, on en a un petit peu. Hop là, détail. Des Marines. Je vais regarder aussi le...
Du coup, est-ce que je peux modifier quelque chose? Ouais, sur mes véhicules. Attends, ils sont là. Hop. Sur mes avions. Est-ce que je peux rajouter un... composants spéciaux. Réservoir de carburant. Ça augmente vraiment beaucoup le poids et tout quoi. Voilà. J'en ai fait un autre modèle du coup. Attends, parce que là du coup c'est l'as des as. Ouais, c'est ça, c'est que celui-là il est moins performant que celui-là. Je teste. Bonne fin de journée. Ciao Malakitaine. Ciao ciao. La dernière était la dernière, on a le temps. C'est vrai que c'était loin. C'est vrai que normalement, ça devait être la dernière. La voie précédente, effectivement. J'aurais même pas le temps de faire mon char comme je le voulais, quoi. Relou. Parce que si je voulais faire une tourelle triplace avec armement intermédiaire... Une radio et réducteur conique. On peut essayer ça, 9,2 km/h. Attaque légère 45. Il est pas horrible en vrai. ...45 de protection. Attaque lourde, on n'a pas beaucoup, mais on a de l'attaque légère. Perforation 20. Après, c'est qu'on n'a pas beaucoup de perforation, quoi. Perso, on a 57. Donc ça va. Le mortier est bien, t'as pas besoin d'attaque lourde face à l'IA. Le mortier. C'est quoi le mortier, attendez. Blindage, magasin de munitions supplémentaires. Ouais, mortier, c'est ça. Hop là. Le libérateur. Et on espère qu'il va nous suffire. Hop. Est-ce qu'on va pouvoir le produire maintenant, le libérateur? Est-ce qu'on aura le temps, suffisamment le temps, quoi? C'est ça que je me pose comme question. Est-ce qu'en vrai... En termes de stuff, on est comment? Matériel anti-char, on en a. Est-ce que je peux fournir mes unités en matériel anti-char? Ah, j'ai que 9... Ce serait pas mal du matériel anti-char contre les Allemands, ça nous aiderait pas mal, je pense. Contre les anti-char contre les Allemands, ça serait pas mal. Le jeu finit ou ça finit à la fin de la seconde guerre? Ça finit en 48 le jeu, pour ceux qui savent pas. En gros, le jeu est fini en 1948, donc en gros, on a le temps quand même. On a le temps.
Donc là, on a fait. Donc là, on a mis nos artis, donc anti-char qui sont là. Du coup, qui sont envoyés dans les unités qu'on a. Vu qu'on les a, on les a envoyés maintenant. Est-ce que je peux augmenter quand même un peu la production de. Un canon amélioré, on n'en a pas tant que ça besoin. Canon anti-char un petit peu plus. On essaie de mettre les usines un peu à fond dessus. Et maintenant. Ah, ah ouais. Celle-là, je vais la envoyer de là-bas, puisqu'on est plutôt dans les. Voilà. Est-ce que j'ai un mec. Alors, on va mettre nos généraux aussi, peut-être. Alors, nos généraux, ils ont tous des bonus et ce genre de choses. Ici, il nous faudrait plutôt un montagnard. Voilà, monsieur. Lui, très bon montagnard. Et ici, ce qu'il faudra faire, c'est plutôt tenir la ligne plutôt que toute autre chose. En vrai, c'est plutôt tenir la ligne qui va nous intéresser. Alors, je vais faire une armée ici. Ce sera l'armée motorisée qui sera là. Et j'aimerais bien que cette armée motorisée, elle arrive à débarquer à Hambourg et qu'elle avance au maximum. Attention. On va plutôt mettre un expert. Est-ce qu'on a un gars qui est plutôt chaud en défense? Voilà, des gens plutôt chauds en défense pour tenir la ligne. Plutôt doctrine défensive. Est-ce que je fais bien de faire doctrine défensive? Je ne sais pas, mais on va voir. Pareil. Et ici, on va mettre plutôt quelqu'un qui est aussi, voilà, végan, le maréchal végan. Hop là. Pareil. Regardez ça, du coup, c'est le template de mes unités. Oh là, elles sont dramatiques. Mais bon, elles font le taf pour tenir, on va dire, le, pour tenir. Gardez vos rangs. Et on va mettre quelqu'un qui est chaud en unité mécanisée, et je vous donne en 1000 notre cher général de Gaulle, qui va être le leader de nos équipes, on va dire l'officier. On va mettre De Gaulle qui va tenir voilà, le mécanisé. Et dès qu'on aura un peu de char moyen, je sais pas quand encore exactement. Est-ce qu'ils sont dans ma prod? Ils sont où? Ok, hop. Du coup, la France. On est devenu l'Empire français. L'Empire français est... Sauf que là, on est seul. C'est vrai qu'on est seul. Là, on est seul. On est seul face... On va être un peu seul face à l'axe. C'est un peu ça qui me fait peur, mais bon. Ça m'inquiète un peu, mais on peut réussir à s'en sortir malgré tout. On va voir. Extra général inconnu au bataillon. Attention. C'est vrai qu'il était un peu... C'était pas le plus gros des générales, effectivement. Alors, je réfléchis. On va avoir 15 unités supplémentaires. Attendez, je regarde juste où sont mes... Est-ce qu'ils sont où mes chars, là? Les chars. Ils sont pas encore en prod? Ah mais non, mais j'ai merdé sur ça. C'est le libérateur qu'il faut faire. Bien sûr que c'est le libérateur qu'il faut faire. Jean 39, ça va être chaud. Napoléon 6 sur le trône français, bien sûr. C'est qu'il me faudrait quand même un peu d'expérience militaire pour pouvoir... Il me faut un petit peu plus d'expérience militaire. J'ai un maréchal dispo. Ouais, je pense que je vais avoir un maréchal. En gros, si vous voulez, chaque généraux a donc assez statistiques. Et en fait... Et en plus de ça, on peut leur donner des maréchaux qui sont un peu les chefs de... Voilà, maréchal végan, hop... Défenseur inflexible, voilà. Pour l'idée, c'est pas de percer pour nous en Belgique. Nous, c'est de tenir et de faire un débarquement du côté de Hambourg. Attention. Donc ça va plus être ça, notre ligne. Attention. La ligne édito de la chaîne, ça va plutôt être ça. La ligne édito de la guerre, ça va plutôt être la défense. Voilà, ça va plutôt être la défense. Gardez vos rangs. On va peut-être les faire s'entraîner un petit peu aussi d'ailleurs. Pareil. Oh là là, que des vieux loups, que des mecs qui ont fait la première guerre quand même.
Hop là. Alors, on s'entraîne un petit peu là. Par contre, c'est vrai que je sais pas si je vais avoir assez d'expérience militaire pour pouvoir, pouvoir sortir mes unités de... En fait, je sais même pas si je pourrais faire un template brigade char de combat. Est-ce que je peux la dupliquer? Hop, et mettre plutôt des chars moyens, chars moyens. Ouais, tu vois, ça me coûte déjà... Ça me coûte 15 déjà, quoi. Supportable! Ça me coûte 30. Si je veux juste faire ça, c'est 30. Oh là là, c'est dur hein, de choper tout ce qu'il faut en... Parce qu'on gagne pas beaucoup de poids militaire, quoi. Ça qui est compliqué. Est-ce que je peux, par le biais de mon focus tree, est-ce que je peux réussir à choper de la... est-ce que je peux réussir... Non, je peux pas choper d'expérience terrestre ou quoi. Je peux pas aller choper l'expérience terrestre plus que ça, quoi. Pas suffisant. Est-ce qu'il n'y a pas un mec qui me rapporte de l'expérience terrestre? Coup de doctrine terrestre. Coup de doctrine opérationnelle. Non, c'est pas ça. Ok. Paré. Paré. Gardez vos rangs. Ouais, ça s'entraîne. Hop, du coup on a des unités qui sont sorties. Paré. Attention. Attention. Ah, déjà, je vais les envoyer là, ok. Non, hop, celle-là. Division de Tunisie ici. Attention. Ok, très bien. 24, 24. Végan et tout. Lui, attention. Je vais le sortir de Végan. Lui, je vais le mettre là. Hop. Et on peut mettre hop. Henri Giraud. Oh, Giraud. Le bon vieux Giraud, l'adversaire de De Gaulle. Il est là, le bon vieux Giraud. J'ai pas trop le choix. Gardez vos rangs. Je vais te mettre ici. Hop. Et Giraud ici. Voilà. Et Giraud, est-ce qu'on peut lui prendre un poste très... Guerriero, ok. Très bien. Dans le menu doctrine, la casquette militaire niveau 2, il y a un truc qui donne des bonus d'XP, mais ça coûte de l'XP à débloquer. Ouais, c'est ça, j'imagine. Ouais, j'imagine que c'est ça et ça te donne... Puis j'ai même pas encore l'XP pour débloquer ça, quoi. Il me faudrait un peu plus de... Je peux récupérer un tout petit peu de... tungstène, c'est ça. Hop. Alors le tungstène, on est bon. 17 juillet 39. Matériel d'infanterie, ok. J'aurais pas tardé à avoir de nouvelles. Il va nous rester un mois derrière. Est-ce que je peux choper ça pour avoir plus de productivité?
Pas besoin de sortir autant d'unités. Je pense que d'autres unités... Hop, 5 unités, ça suffira largement. Du stuff partout, c'est bien. Le Reich allemand en guerre avec la Pologne. La Pologne... Ok, donc nous, on n'est pas en guerre contre le Reich allemand pour l'instant. Parce que, en fait, on n'est pas... Parce qu'on n'est pas dans les alliés, en fait, donc... Du coup, on n'est pas en guerre contre les alliés, donc la Pologne qui va pas faire un pli. La Pologne qui va pas faire un pli. Logistique, ça va aller, compagnie du génie. Ouais, j'ai mes unités anti-char qui ont je pense, petites unités de soutien anti-char, c'est pas horrible. Bon, la Pologne, c'est ciao. On peut dire au revoir à la Pologne dans le chat. Au revoir la Pologne. Et après, nous, on va essayer de voir... Est-ce qu'on va avoir le temps de sortir nos unités de marine? Ça va être chaud. Ciao Varsovie, ciao la Pologne. Varsovie est tombée. C'est allé très vite, hein, punaise. C'est allé très vite. Ok, donc là après ça va pas assez. Donc attends, on va stopper l'entraînement. On stoppe les entraînements. Ok, guerre contre les Pays-Bas. Ok, donc nous on rentre pas en guerre encore. Ça le truc, c'est que nous on n'est pas en guerre avec les alliés. Ok, la Belgique est tombée. Attendez, on va baisser. Hop. C'est que pour l'instant, nous, on n'est pas en guerre. Ça, le truc, c'est que nous, pour l'instant, on est... Gardez vos rangs. Hop, on arrête de s'entraîner ici. Pour l'instant, ils peuvent s'occuper de la Belgique. Dommage, la Belgique. Au revoir, la Belgique. Norvège rejoint les alliés. Non, on est... Alors le seul truc c'est que c'est notre force mais un peu notre faiblesse c'est qu'on est seul. Donc c'est à la fois bien et pas bien, c'est qu'en même temps voilà quoi, on est... Alors on va peut-être changer, on est en autonomie civile, on va être en mobilisation partielle. Et après on va voir pour le service court. A pas une grosse réserve, ok. Capitulation de la Belgique. Bon, on devine bien ce qui va se passer, on le devine bien. Je vais refaire ici le... On le devine bien, on imagine, on imagine. Je vais refaire un fond propre ici. Hop. On imagine très bien ce qui va se passer, on imagine... Non, hop, non, c'est pas ça que attention. Je voulais faire, hop. Non, c'est bien ici, ici, voilà. Ah, il y a une ambiance. Alors, je peux faire mes... Je peux faire mes compagnies de chars. Alors, division, brigade de chars de combat. Hop, modifié. C'est pas mal, mais on va du coup... Bataillon de chars moyens, chars moyens, chars moyens. On a 262 de percée, on a 347 de percée, 262 d'attaque légère. Donc c'est pas horrible. On peut mettre... une compagnie anti-char. On peut être l'anti-aérien. C'est une compagnie de transmission. Et l'anti-aérien, si on n'a pas le soutien... Enfin, je pourrais pas mettre plus pour l'instant. Ah, c'est... Est-ce que j'ai de l'anti-aérien en stock? J'ai pas d'anti-aérien. J'ai pas d'anti-aérien en stock. Mmh.
je suis sur le stock de char moyen. Pourquoi j'ai moins 147 de char moyen? Ah, mais parce que j'ai modifié les divisions légères mécaniques. Ah, c'est pour ça. Bon, c'est pas bien grave. Mes divisions légères mécaniques, du coup, elles sont déjà dans mes armées. C'est plusieurs fois que je fais ça, faut que je fasse gaffe en vrai. J'en ai pas beaucoup, donc c'est pas dérangeant. Hop, je vais mettre ici. Est-ce que j'en ai là, chez Giro? Non, j'en avais qu'une seule, une division légère mécanisée. Bah, c'est bien ça. Du coup, j'en avais qu'une seule. Et je suis déjà à moins 147, donc bon, ça veut dire qu'elle va être pas facile à produire. Mais pas du tout, regardez avec les alliés soviétiques, Hitler ne va jamais nous traire, il s'arrêtera à la frontière comme le nuage de Tchernobyl. Exactement. Attention. Ce que je me dis aussi. Attention. Attention. Du coup, je vais remettre une unité là. Pareil. Je vais remettre une unité... Voilà, ici. Ok, 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 ok. Donc là, on a une division... Gardez vos rangs. On a une division ici. UTCG. Attention. Et pour l'instant, on a ça en division. On a qu'une seule division... Une CG. C'est qu'on a même pas de, de but de guerre contre l'Allemagne. Ok, on a des divisions ici. Ok, on a vengé à l'eau but de guerre annexé la Belgique. Bon, là, ça, on l'a pas eu du coup. On peut aller chercher venger Waterloo, puis aller chercher venger Sedan derrière. Quand même qu'on allait chercher ces armes-là classico-classiques. Ok. Qu'est-ce qu'on a là qu'on peut utiliser? Attaque de force spéciale, plafond de force spéciale plus 6. Ah, du coup, je peux faire plus de marines. Ça, c'est bien. Ça c'est bien, ça c'est bien. Bon, il y a beaucoup de divisions à la frontière là, j'aime pas trop beaucoup ça. C'est marrant, c'est comme s'ils voulaient nous attaquer. J'ai du mal à saisir. En plus on a une réserve réduite, on peut pas faire non plus des unités comme on veut quoi. Unité de marine et on peut mettre un peu de... Hop là, et on peut entraîner un petit peu d'unité de marine. Limite de force spéciale de base. Oh non, je peux pas en faire. Oh, c'est terrible. Je peux pas faire d'unité spéciale de marine. Oh non! Et les nations me conseillent pour un débutant. En vrai, l'Allemagne pour un débutant, c'est bien. Voilà, après, je suis toujours débutant aussi, mais... Vas-y, une unité de force spéciale sur une capacité de force spéciale. De 48, nous en disposons actuellement de 48 sur le terrain. Ce modèle a une capacité de force spéciale de 6. Une capacité de force 42 sur le terrain et 0 à l'entraînement. Ça permet donc de recruter 0 division de ce modèle. Ça dégoûte. On peut pas faire des forces spéciales. Regarde dans les recherches pour faire plus de marines. Bah ça va être ici quoi du coup. Non, ça va pas être là. Je sais pas comment tu peux faire plus de force spéciale. C'est à cause des montagnards. Ah, mais parce que j'ai les montagnards. Ah, attention. C'est pour ça, parce que j'ai des divisions de montagnards. Attention. Ah, relou. Gardez vos rangs. Bon, on va changer de division de montagnards en division d'infanterie. C'est pas grave, et on va pouvoir entraîner nos divisions
peut en faire 6, ok. Char moyen, on a du mal à les produire, hein, punaise. Attention. Ok. Soutien à la guerre de base. Hop, on va essayer d'augmenter ça. Finesse, c'est vrai que c'est chaud d'avoir, mine de rien, accès à... Ah, c'est chaud de vouloir mécaniser la France en vrai. Hein. C'est pas facile, hein. Quand t'es au début, t'es en mode... Je sais pas si là, je peux préparer un débarquement. Je sais pas si je vais préparer un débarquement qui part d'ici. Ah, ici, tu vois. Hop. Et ce que attention. Je peux faire, c'est prendre 5 unités qui peuvent soutenir ce débarquement. Qui partent de Dieppe aussi et qui vont aller autour, ici, là. Hop. Ah, très bien. Gardez vos rangs. Allez hop, on prépare, comme ça dès qu'on pourra lancer, construire des forces terrestres sur la frontière nord, pour mieux résister. Oui, on pourrait construire des forces terrestres, tu as raison. Aussi. C'est une bonne idée. Hop, j'avais oublié qu'on pouvait faire ça. Et en plus ça se construit assez vite les forces terrestres. Ça se fait vite, ouais. Hop. Voilà. Hop. Ça va construire vite ici. On est comment là sur la production? On en sort un par jour de tank. On sort un tank par jour, c'est pas énorme. Venger ce dent. Allez hop zou. Est-ce que comme j'ai un but de guerre sur les Pays-Bas, je peux... Enfin sur la Belgique. Pareil. Regardez, but de guerre, ok. Pour ça aussi. Ok. Quoique je vais pas faire ça, je vais plutôt faire ça, voilà. Niveau 2. On en est où sur les stocks d'avions aussi là? Toujours pas mes stocks d'avions. Ah, j'ai quand même un peu de stock d'avions. Le victorieux. Bon, ça suffira pas contre l'Allemagne pour le moment, mais on va dire que c'est le début. C'est le début, c'est le début, c'est le début. Déjà, tenir l'Allemagne, comprendre, ne pas perdre lors de l'attaque, c'est vraiment pas mal. Bah, on va déjà essayer de faire ça, mais là, pour le coup, on est même pas en attaque, puisqu'on est à l'Empire français, donc on est non aligné. On est démocrate non aligné, donc bon. Là, dans le délire de venger Sedan. Et char moyen, on est à, deux, on est à 12. Char moyen. Lourd. Division légère mécanique. On change des as. Ah non, je vais annuler, ça sert à rien. Est-ce que je peux en entraîner? Si j'en entraîne 2. Ou 3. En Normandie, par exemple. Il va nous manquer des chars moyens, c'est ça encore. Hein.
Ça, ça se construit vite en vrai l'effort. Hein. Parce que là, s'ils veulent essayer de passer là, ça va être compliqué, je pense. Hein. Si on essaie de passer là. En vrai, là, à mon avis, si on arrive à tenir le... la défense ici... Parce qu'en vrai, ça se fait très vite l'effort, mine de rien. On étend la ligne Maginot jusqu'à la mer. Il n'y avait pas une décision que je pouvais faire comme ça, étendre la ligne Maginot jusqu'à... Je pense que j'aurais pu le faire aussi. Je crois qu'il y a une décision politique qui est comme ça... étendre la ligne Maginot. En priorité nationale, ouais, c'est ça, t'as une priorité nationale que tu peux faire comme ça. Gardez vos rangs. Allez, ETIG, on lui rajoute du monde. ETIG, c'est lui qui a signé la reddition de la France. ETIG. C'est lui qui avait signé la reddition. Gardez vos rangs. Hop là, donc là, ce qu'on peut faire. On est en 24 mars 40. Donc, gardez vos rangs. Ici, on a. Est-ce qu'on a des gens, des commandos, quelqu'un qui est chaud en force spéciale? Pas tant, hein. Roublard, stratège brillant. Quand on met le biot. Je pense qu'à mon avis, on peut faire. On peut préparer le débarquement. Il part de Cherbourg jusqu'à. On peut dire. Voilà. Je peux tenter un truc comme ça, quoi. Gardez vos rangs. On va se marrer, hein. Puis là, je vous le dis. Attention. Ça va être marrant. Attention. Ça, j'ai pas mis les lignes ici. Hop. Gardez vos rangs. Ok. En vrai, tac, 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 on est comment? Moins 638 chars. Ah, si, dès que j'ai mes chars, en vrai, on pourra tenter quelque chose, je pense. Ok, Marines, on arrête. Hop. Et on verra. Moins 6000 guns. Ah, j'ai moins 6000 guns? Non, j'ai plus. Non, mais j'ai plus beaucoup de stock, effectivement. J'ai plus beaucoup de stock effectivement, j'ai plus beaucoup de wood stock effectivement, donc on va remettre un peu de construction sur les guns là. Sur quoi je peux enlever en fait voilà, j'ai un sur les anti-chars, un petit peu sur les chars, moi j'ai pas trop envie d'enlever j'avoue, j'ai envie de continuer que ça te produise, qu'on soit efficace sur la production. Ils ne vont pas sur le front italien. Si, si, on est sur le front italien aussi. On est sur le front italien aussi. Oui, j'ai des camions aussi. Mais punaise, c'est dur de tout avoir. C'est vraiment une gaine. C'est vraiment. C'est chaud, quoi. C'est de tout construire bien comme il faut, machin. C'est. C'est compliqué, quoi. En vrai, je vais peut-être attendre 40. Non, je vais attendre l'attaque. Je pense que je vais attendre Barbarossa pour contre-attaquer en vrai. Autant attendre début 40. Enfin, tu sais, ça pourrait être. Ça pourrait être une idée. Hein. D'attendre Barbarossa. Attention! Unité violette sans ordre. Et pour moi, elles sont sur le débarquement de ETIG. Gardez vos rangs. Elles sont sur le débarquement.
tendance à retarder Barbarossa si la France n'est pas tombée. Ah, d'accord. Ok. Bon, Marines, c'est good. On va passer le mas ici. Et du coup, là, je peux passer là. Hop. Est-ce que je peux me prendre... Ils ont quand même beaucoup de divisions. Hein. Punaise, ça va être chaud de ouf. Il n'y a pas d'unité de débarquement de Cherbourg à ce stade. On ne peut pas prévoir de débarquer plus de 10 divisions au total dans toutes les unités de débarquement. Il n'y a pas d'unité au débarquement de Cherbourg à ce stade. Comment ça, je peux pas prévoir? Attention! Si, je peux prévoir, je peux faire un débarquement d'ici qui se prépare. Ah, ici pour le coup. Il faut la tech pour pouvoir faire plus de 10 personnes dans les débarquements tout confondu. Avec le Japon, je l'avais fait genre tranquille quoi. Attention. C'est abusé. Ah, ils peuvent pas débarquer à plus que ça? Ah, plus de 10. Okay. En même temps, tu veux dire en simultané? Attention. Je peux que faire 5-5-5 quoi. Tech naval. Formation lutte contre les incendies. Faire c'est débarquer avec des marins et de rejoindre après avec les troupes. Ouais, je pense que ça va être ça. Gardez vos rangs. Parez. Gardez vos rangs. Bon, je peux faire ça. Et après, je les rejoins dès que je peux, quoi. Ok. On va voir. Alors, j'ai 10 divisions non affectées. Par contre, j'ai vraiment besoin de manpower en plus, quoi. Là, c'est vraiment dramatique. Pourquoi j'ai pas besoin d'unité? Une de ces conditions doit être vérifiée. Ah, mais service de mobilisation générale. Ah, il faut qu'on soit full fasciste ou communiste ou machin, quoi. Bah, super. Ou en guerre, j'imagine. Ok. On en est où sur mes divisions blindées, là? Il va nous manquer du matos, encore. Dès que les divisions blindées sont prêtes, on tente notre coup. On tente notre chance. Pareil. Gardez vos rangs. Écoute, je vais les envoyer dans les Alpes. Pour protéger les Alpes. Voilà, comme ça. On est en juillet 40. Punaise, il s'est rien passé encore. Enfin, si, on a quand même perdu la Pologne et tout, mais pour nous, il s'est rien passé encore.
En vrai, on a empêché les Allemands d'avancer, ils veulent plus avancer. Ils avanceront pas, hein. Nos Passaran. Ils n'avanceront pas avec les forts qui sont disposés là. Je sais pas, je la sens bien cette grande ligne Maginot étendue, moi. Je pense que ça va nous servir. J'ai la sensation que ça va être bien. Je sens que ça va nous aider. J'aurais dû faire ça depuis le début aussi. Ah, les États-Unis demandent l'accès à notre territoire. Parfait. Mais les Allemands vous attendent. Pourquoi t'es pas en guerre? Parce que c'est dur d'être en guerre quand t'es la France contre les Allemands. Et que t'essaies... Là, on est en non-aligné, donc on essaie un peu de... Là, on essaie surtout, on va dire, de faire en sorte de construire une petite unité, des petites unités quand même. Ah, la Reich allemande a déclaré la guerre à l'Union soviétique. Et bah voilà, c'est ce qu'on attendait. On va pouvoir pas tarder à pousser, nous. Dès qu'on aura nos unités, dès qu'on aura nos tanks et tout, on va être bien. Donc ils nous attendront pas. Du coup, ça sert à rien de finir nos nœuds. Hop, ça sert à rien de finir nos forts. Hop. Ils nous attaqueront pas tant qu'ils le peuvent. Et nous, on va pouvoir ouvrir le second front. Seul truc que je vais faire, c'est juste... Je vais essayer de filer quand même un coup de main à mes unités qui sont là. Parce qu'en vrai... Voilà, je vais construire ici des... Hop. En vrai, ils nous laissent bien les mains libres quand même, les Allemands. La frontière intérieure est vide. Mais c'est vrai, elle est vide de ouf. Il y a personne en face. Il y a une unité. Non, il y a quelques unités quand même. J'ai le droit de rejoindre les alliés. Ok, ok. En vrai, on peut pas tarder à y aller, hein, je pense. Hein. En vrai, est-ce qu'on irait pas attends, je regarde. Est-ce qu'on peut... Je vais juste attendre que on ait nos trois unités là, et puis après on fonce. Petit week-end à Rome. En vrai, on pourrait y aller aussi à Rome, là. Tu sais qu'on pourrait... Après, le truc, c'est que j'ai pas de but de guerre contre l'Italie, c'est le seul truc. Oh, ils ont personne, c'est une dinguerie. Gardez vos rangs. On a envie de les croquer quand même. Tellement peu de manpower. Mais ouais, mais parce qu'on n'a pas encore de... On n'est pas encore en guerre, c'est pour ça. Gardez vos rangs. Ah, notre première unité de char est sortie. Mazel tov. Putain, elle est belle notre unité de char quand même, hein. Attention. On va peut-être... Putain, on a plus de manpower par contre, c'est dramatique. Hop là. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Hop. Attention. En vrai, je vais envoyer des hommes encore là-bas et on va peut-être tenter un plan de bataille en Italie aussi. Hein. Mas 36. Hop. Voilà. Pareil. On va y aller, je pense. Hein. Gardez vos rangs. Je pense qu'on déclare la guerre. C'est bon, on y va. Tu sais quoi? On déclare la guerre au Reich et maintenant on y va. Parce qu'on est grand, on est très grand aujourd'hui. Alors. Gardez vos rangs. On va fixer. Attention. On peut presque avancer déjà dans les Pays-Bas ici. Hein.
On va avancer prudemment. Hop là, ici. Mon aviation. Est-ce que j'ai de l'aviation en plus? Oui, j'ai de l'aviation. Est-ce que j'ai des... mes chasseurs en plus? J'en ai 96. Allez, ouf, on fait. Nickel, on va envoyer nos hommes et surtout notre flotte. Où est cette flotte? Cette flotte là, on va. Du soutien au débarquement ici. Soutien à l'invasion navale et dès qu'on peut, on y va quoi. Attention. Hop, est-ce qu'on peut... ça en attendant. Et est-ce que je peux passer du coup en mobilisation partielle? Service obligatoire. Et on peut passer en économie de guerre. Économie de guerre. Hop. Et donc l'Italie, elle a pas... Est-ce que je peux avancer en Italie alors? Je souhaite que je rejoigne le club interne. Ah, ils veulent qu'on rejoigne le club interne? Ah, est-ce qu'on va rejoindre les Russes? Pas sûr. Pas sûr. Oui, pacte de non-agression. Merci. Il nous envoie des unités. Nous, on va faire... On va envoyer attention. Des hommes ici, en Italie, parce qu'en vrai, on va pouvoir avancer vite, je pense. Et puis, dès que ça, ce sera possible, on enverra... Hop, des gens pour débarquer. Allez, on tente le coup. Allez, où on a rejoint les alliés. On est comment sur... Ils ont quand même beaucoup, beaucoup de... Ah, c'est chaud en vrai de faire le... Soutien, on essaie de soutenir le convoi, mais... Ça va être chaud de soutenir, je pense, là. Je pense même que ce que je peux faire... Est-ce que je peux faire ça avec ma marine? Je pense que c'est... Comment je fais pour désélectionner une mission? Hop, je fais ça. On est focus sur le bazar. Ah, Italie, pas facile d'avancer. Attention. On avance quand même ici. Chaud. Hein. Tout doit être protégé pour débarquer. Même là, là. Je vais protéger aussi. On pourrait me filer un coup de main quand même, les Anglais. Ah, pour débarquer, j'arriverai peut-être pas. Attention. Pas de bataille navale. Ouais, défaite, mais en fait ils sont...
pas de pitié. Bougez-vous. Bougez-vous. Ah, c'est un peu chiant si je peux pas débarquer. Pareil. Putain, je pensais que je dominerais, mais ça veut pas. La suprématie de la zone pas forcément protéger les convois. Et du coup, si je fais ça, est-ce que ça désélectionne l'autre mission? Ah, c'est ça, il faut quand même que je garde le gros du... Voilà, j'ai tout mis sur... Pareil. Gardez vos rangs. Bougez-vous. Attention. Bougez-vous. Continuez d'avancer. Tirs ennemis. Je peux gérer un peu ça, un peu en micro. Est-ce que ça veut bien y aller? Ça ne veut pas y aller, c'est terrible. Ah, il protège bien ici, je peux pas y aller du coup. Pas de pitié. C'est un peu... La Royal Navy va finir par aider... Bah j'espère, ouais. J'espère qu'ils vont finir par venir, la Royal Navy, parce qu'en fait on attend que quoi. Ces Anglais là. Continuez l'attaque. On attend que les Anglais en fait. Là, je vais espérer assez à forcer là. Bon, ça ramène des unités aussi là. Ok, bon. La flotte. Mais c'est dommage que là on soit pas loin. Ah, ils sont entre 49 et 107 navires quoi. Ah ouais, c'est... C'est complicado. Pareil. Pas de pitié. Continue l'attaque. Je vais essayer de faire une petite poche là. Gardez-vous. Ah, ça veut pas y aller quoi, ça qui est terrible. Pareil. Ah, il garde tous les ports en vert et tout machin. Pas de pitié. On avance prudemment, on est comment en termes de matos? On est déjà dans le rouge. Peut-être que je vais arrêter de pousser trop, tant que j'ai pas débarqué, ça sert peut-être à rien d'essayer de pousser. Pas de pitié. Continue l'attaque. La flotte 5 sur 10, donc 5-10 ans il n'aura plus. Bah là. Pas de pitié. Allez, on va essayer de les enfermer au niveau de Turin et après on essaiera de prendre Turin. Pas de pitié. Bougez-vous. Putain, on arrive. Au-dessus de la Manche, on est... Taille dans la Manche, ouais, c'est ça qui est compliqué, c'est que aussi, en termes de supériorité aérienne... Pareil.
Voilà, tu vois, c'est pas facile là parce qu'on essaie de. Continue l'attaque. On essaie de passer, mais. Rah. Il dit qu'il faut rien aussi. Ouais, alors là, attendez, on va faire une petite pause. Un agression, recherche. Recherche, on peut améliorer pour la défaire, pourquoi pas. Mes usines qui construisent rien. Attends, je vais déjà les faire construire dans les zones où il y a de quoi faire. Ok. On peut doctrine terrestre, améliorer notre doctrine terrestre. Notre matériel, on peut faire canon 25 mm. On est comment? Ok, on n'a pas trop de matos. Est-ce que je peux demander un pré-buy aux US qui peut me filer des... est-ce qu'ils peuvent m'envoyer un pré-buy? Juste pour avoir des guns en fait. Ok. Le jeu te plaît. Le jeu me plaît un tout petit peu, ouais. Le jeu est un peu cool. Pas de pitié. Le jeu me plaît pas des masses, mais un peu quand même. Ouais, le jeu est fou. Le jeu est incroyable. Non, j'ai qu'un seul fusil sur le marché. Ah, pardon. Ouais, j'avais bien vu. Prendre 1700 fusils. Pour combler un peu les stocks. C'est pour combler les stocks qui nous manquent parce qu'il nous en manque beaucoup. Il nous manque beaucoup de choses. Oh, le Portugal. Le Portugal peut-il nous aider? Ils ont ramené du monde quand même, les Italiens là. On va stopper l'attaque. Hop. Parce qu'ils ont ramené la MIF. Et on va pas y aller, hein. Franchement, c'est... le plan, il veut pas y aller, quoi. On n'a pas l'aide de... des Britanniques ou quoi, c'est... sinon, tu sais quoi, je fais... c'est quoi, je change de mon fusil d'épaule. Et je débarque à Amsterdam. C'est quoi, je vais pas m'entêter. Si ça passe pas, ça passe pas. Attention. On va changer le plan de débarquement. On va le foutre à Amsterdam. Comme ça, au moins, il va se passer quelque chose. Voilà. Il n'y a qu'une seule unité de ce que j'ai vu. Ah, mais du coup, on sort de la zone pour aller sur Amsterdam. En fait, Amsterdam, elle est dans la zone... faut plutôt que j'aille où, parce qu'en fait, il y a... en fait, là, j'ai l'impression de ressortir d'une zone maritime, en fait. C'est ça, le problème. C'est ça qui est chiant. Du coup, je suis obligé d'aller à... ici, là. À Rotterdam, je suis obligé d'aller. À Rotterdam. Faut prévoir les vélos pour débarquer à Amsterdam. Ouais, mais du coup, on va faire Rotterdam, parce que je suis dans une autre zone maritime, et en fait, finalement, ça revient au même. Donc, il vaut mieux que je fasse ça. Et qu'après, je le foute là. Voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre. Bon, les Britanniques qui sont arrivés entre-temps. Après, le seul truc, c'est qu'on est un peu proche de la ligne, quoi. C'est un peu le seul truc qui me fait peur, mais... hmm.
Qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher? L'attaque en pause en Italie, ça coûte des hommes. Ouais, je sais, j'ai mis en pause, Ah non, j'ai pas mis en pause. Je pensais que je l'avais mis en pause, hop. Putain, on a plus du tout de matos, c'est dramatique. J'essaie de construire des... La France, ça nous a coûté combien pour l'instant? Même pas là. On est où la France là? Pacte de non-agression. Bah oui, quand même, on est en pacte de non-agression. Ah, pourquoi on est plus dans, on est plus dans les alliés? Ah, Moscou est tombé. Aïe, 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 aïe. Par contre, on n'est plus chez les alliés du tout? Ah non. Les UK qui m'excluent de la faction. Eh bah super, merci beaucoup les UK. Les petits bâtards, là. Attention. Ah, les petits bâtards, les UK, là, qui nous ont exclus. Bah super. Ma belle mentalité, bravo. De toute façon, ils nous aidaient pas tellement, donc... Et du coup, il crée un trou dans notre. Gardez vos rangs. Putain, les petits bâtards. Attention. Oh, en plus, ça crée un trou ici. Insupportable! Ah mais non, mais du coup ça... Non, 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 non. Allez. C'est-à-dire qu'ici, eux, ils sont plutôt là. Gardez vos rangs. Eux, on va les laisser... ici. Gardez vos rangs. Et on va les laisser... là, voilà. C'est juste que les Anglais vont pas nous faire un coup de... de se retirer à un moment, on est en mode ah. En faire lié à ce jeu, fait des trucs illogiques. T'es en mode pourquoi on se retenait, pourquoi ils nous ont retiré des. C'est vrai que c'est très étonnant de nous avoir retiré des alliés quoi. Alors que t'es en mode bon bah. Pas le bon moment quoi. Il y a 36 divisions italiennes qui sont là. On a quand même repris pas mal de divisions au final sur le rable. Est-ce qu'on peut tenter le coup du coup hop là, je regarde. Attention! Pour tenter le débarquement juste après. On va voir ce que ça donne. Ça nous fait permettre de bouger le front un petit peu. Juste si on récupère Rotterdam, après on peut repousser après sur le reste. Allez hop. Allez hop. On a la domination aérienne, ça c'est cool. Ah lourd, alors attendez, là il y a le débarquement en cours là-bas. À Rotterdam. Et dès que c'est posé, on envoie De Gaulle. Il suffit que d'une seule qui passe et on est bon. Il y a les Roumains qui poussent aussi. Pareil. Est-ce que lui peut filer un coup de main? Ouais, tentative de débarquement là. C'est chaud. Gardez vos rangs. Est-ce qu'il peut tenter quelque chose
Ça va être chaud parce qu'il ramène du monde juste à côté, donc... Ah, il ramène du monde forcément. Non mais sinon c'est quoi mes couilles hein. On va voir, on va tester comme ça, on y va. Hein. C'est quoi? Comme dirait, comme l'a dit le général de Gaulle, il avait dit mes couilles. Il me semble que ce sont les termes utilisés par le général. Attention. Carburant arrive. Ah, j'ai plus de carburant. Hop. J'ai plus de carbu. Tac, tac, tac. On est à sec. Il nous en faut beaucoup plus. On n'avait plus de carburant. Insupportable. Il nous en faut 46. Enfin, il voit la vérité. Putain, c'était juste ça le carburant. Il nous en faut beaucoup hein, quand même. Pareil. Ah, c'est vrai que De Gaulle sans carbu, ça va être chaud. C'est un débarquement qui va pas y aller. Tungsten, hop, juste ça. Il nous en faut une deuxième, hop. Pareil. Ah, j'ai vraiment envie de percer là, là. Il n'y a pas y avoir un endroit où ils sont que... Pas, ils sont peu, ils sont beaucoup moins. Bougez-vous. Que là il y a un peu moins de monde. Attention. Bougez-vous. Gardez vos rangs. Gardez vos rangs. Qu'est-ce qui fait que là ça passe pas trop pour nous? Comment ça se fait que ça passe pas pour nous là? Le terrain. Ah, mais le terrain est à chier, c'est pour ça. Le terrain est naze. Ah, le terrain. Déjà à sec. Oh, mais on a encore du manque de ma. Oh là là, on a tellement besoin de. De carbu encore. On est déjà à sec. Dès que je fais tourner mes engins là, c'est terrible. Ah bah enfin, merci. Attention. Hop, il nous faut encore... Je vais faire rentrer ma flotte. Voilà, ça devrait suffire déjà. Attention. Ah d'accord, ça a percé du coup. Super, trop bien. Attention. Bah du coup, oui, forcément, j'avais un trou là, quoi. Fatalement. Yes. Ils ont envoyé 2500 unités de fusil. Gardez vos rangs. Ennemis. C'est dingue qu'on n'arrive pas à passer là, là. Gardez vos rangs. Voilà.
mais là ça y est quoi, ils sont installés, ça passera plus jamais quoi. C'est vraiment le terrain qui nous met dedans, provision critique. Eux ils sont bien retranchés et tout. Ok bon. Pas de pitié. Attaquez pas. Allez-y là-bas là. Pérou a pris deux états. Et une Maginot normale. Ouais mais après c'est... Gardez vos rangs. Je suis bombardement côtier. Ok, on tient en Italie quoi. Allemands super dans l'état, c'est pour ça aussi. Ah ouais? Ah ils ont ramené des... Ils ont ramené du monde. Petite cellule ici. Continue l'attaque. Bougez-vous. Allez. Est-ce qu'on peut reprendre le port d'Anvers? Oui. C'était bien et d'un coup on a plus, on a un peu supériorité aérienne, on a la supériorité aérienne mais... Continuez d'avancer. Retraite. Bougez-vous. Allez Zou, on avance. On a réussi à faire une petite percée là, toute petite. Gardez vos rangs. Bon, ici on est contre 3 divisions. Ouais, pas facile. Hein. Pas dans le mood. Les Anglais qui nous aident pas trop pour avancer et tout, hein, ça dégoûte. Parce que là le terrain il est chaud patate. Ils en sont où les Russes là? Ah les Russes ça recule encore. Ah, Moscou est prise mais de fou furieux. Ah les Russes sont complètement craqués. Ah les Russes c'est finito pipo. Yo comment il va Police Pocus? Ah ouais là ils ont, c'est finito pipo quoi les Russes. Ok ils ont complètement craqué. Attends, je vais juste... Bougez-vous. On va juste faire en sorte de requinquer un peu tout le monde et essayer de trouver une autre, un autre endroit pour passer. Mais c'est dur, hein, punaise de... Est-ce qu'on peut... Gardez vos rangs. Hmm.
Ils m'envoient les forces expéditionnaires. Les frères. Bougez-vous. Oh, la force expéditionnaire. Continuez l'attaque. Incroyable. On est comment en termes de matos? Moins 8.4. Passer là, c'est tendu de ouf. On a réussi à passer ici là. De matériel, ça qui est terrible. Attends, j'essaie vraiment de mettre d'un fond mes usines là-dedans, mais c'est dur. Hein. Faut que tu vous dépôles ici pour ne pas trop souffrir l'attrition. L'attrition, c'est ok, je crois, mais. Là, c'est juste, il y a beaucoup de monde sur la côte, quoi. Là, c'est. Il y a tellement de monde sur la côte, et là, je peux difficilement passer parce qu'il y a la Siegfried en face. Pareil. Ouais, c'est ça. Hein. Ah, ils m'ont exclu de la faction encore, d'accord, d'accord, très bien. Je comprends pas pourquoi ils font ça, mais du coup j'ai mes... Bah ouais, mais... Bon, du coup je suis re-exclu de la faction. Merci beaucoup Swada, merci pour 48 mois. Je ne suis plus les alliés, voilà, ils ont décidé de me revirer une nouvelle fois. Je suis viré une nouvelle fois de la faction. Pareil. Pourquoi, je ne sais pas. Voilà, je suis de nouveau. Du coup, j'ai des hommes en exil là-bas, d'accord. Eux aussi, mais c'est l'enfer, du coup. Oh là là. C'est absolument dramatique. Ok, ok. Du coup, pas que de non-agression, mais d'accord. Ok, je suis exclu, donc ils ont dû se dire dans une réunion. Oh, ça nous va pas trop, en fait. Hein. Là, ils font n'importe quoi en face. Demande l'accès militaire. Bah ouais, je vais essayer de voir, mais. Je peux demander l'accès militaire, voilà. Gardez vos rangs. Est-ce qu'on peut y retourner quand même contre les Allemands là? C'est vrai qu'ils vont me faire re-rentrer dans la faction après, c'est juste une question de temps quoi, mais. Attention. On va changer notre fusil d'épaule. Viens là, mon petit, viens là mon petit. Bougez-vous. Gardez vos rangs. Voilà. Là ça va bloquer je pense. Et même si les. Si on pousse, il y aura les. Quatre divisions massées là, mais je pense pas qu'ils défendent Rome. Attention. Juste que je fasse gaffe à pas qu'il y ait d'un problème de frontière, c'est le seul truc. Voilà, juste à tenir la frontière ici. Dommage, on avait une poche là qui aurait pu se faire, mais là il y a trop de divisions au niveau de là.
Et ils vont tomber, ils vont faire tomber la Russie. Oh là là, la Russie qui va tomber, on va se reprendre tout sur la tête derrière. Aïe 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 aïe. La game s'emballe. Je prends le parti à route, mais si on a... Je fais jamais confiance aux Anglais. Bah moi non plus, hein. Franchement, là je pensais leur faire confiance à ces petits salauds, mais... Salaud d'anglais, je pensais leur faire confiance, mais au final, on ne peut jamais. C'est eux qui nous mettent dehors à chaque fois en plus. Ils nous mettent dehors et tout, ça fait deux fois. Salaud. Reviens sur. Ok. Quand le plan est prêt, on envoie la sauce. Est-ce que là je peux mettre des avions ici? Du coup, qui est en guerre avec qui? Le Brésil est en guerre avec... Attendez. Là, le Brésil est en guerre? Mais non. Ah si, ils sont en guerre. Oh, le Brésil est avec nous! Le Brésil avec nous! Oh là là, c'est magnifique. Le roi Pelé est avec nous. C'est merveilleux. C'est que du bonheur. J'avais tellement de trucs de retard à retaper là. On a moins 5400 fusils. Bon, c'est. Est-ce qu'on peut avoir un pré-buy des États-Unis ou on peut. On peut aller se faire voir. Ah, ils nous ont envoyé 5000 M1 garant. Oh les frères. 5. C'est eux qui m'ont envoyé les M1 garant. Oh là là. Ça va nous aider, grandement nous aider. Il va falloir que je redemande à ma flotte d'ailleurs de venir ici. J'espère juste qu'ils vont réussir à tenir... Oh, il y a des mines ici. J'espère juste que ça va suffire pour faire le débarquement parce que sinon ça va être insupportable. Allez-y. À Rome, ça peut peut-être le faire. Ah oui, let's go. C'est bon, c'est passé. Pareil. C'est passé ici, donc on va... est-ce que je peux mettre... Gardez vos rangs. Parfait, et Utsige aussi. Gardez vos rangs. Après, faut que j'envoie d'abord ici les blindés. Après, il faut avoir le port, je crois. Attention. Ah, ils ont eu à côté, ça qui est frustrant. C'est qu'ils ont eu le port d'à côté, ils ont pas eu... Clarisse, attends, deux secondes, on est en train de prendre un port en fait, Clarisse. Donc on est un peu... Oh non, ils ont eu le port d'à côté, c'est terrible.
Ils ont pas eu le port, ils ont juste eu le... Andio à côté. Ah, Andio, est-ce que je peux avoir Andio à côté? C'est une ville, Andio, c'est pas un port. Oh non, ils ont pas topé le port, ça dégoûte. Tirs ennemis. Ils ont pas topé le port. Peut-être là ça peut marcher, je sais pas. Ah, ça peut peut-être passer là au final. C'est tendu, c'est tendu. Oh. Mais j'ai pas de port ici là. Si, c'est un port en duo, mais... Oh, on n'a pas eu de chance, il est tombé juste à côté. Aïe, 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 aïe. Je pensais qu'on avait un port, mais... Là, ce n'était pas ça. Gardez vos rangs. Paré. Ah, frustrant parce qu'on était pas loin de réussir. Ok, ça nous remonte nos stocks ici. Ah, dommage, on est refoulé. J'aurais peut-être dû tenter le boost d'attaque, effectivement. Oh, on est combien d'unités là? On pourrait essayer de passer. Du coup, c'est mort pour notre plan. On retentera un débarquement avec d'autres unités. Là, on va essayer d'un autre débarquement, plusieurs. Pareil. Gardez vos rangs. C'est qu'on va scinder en deux ici. J'arrive 10 heures de live. 10 heures. Après, on n'a pas fait que du House of Iron, ça va. Là, on est vraiment le monde contre l'Allemagne, quoi. Caris qui veut manger, je le sais. Je le sais, je le sens. Après, nos stocks remontent enfin de... Ah, il me faudrait des camions aussi pour le ravito, là. Je fais n'importe quoi, je laisse filer les camions, mais il m'en faudrait. Je n'en produis même pas, c'est dramatique. Je troll sur les camions, je troll. Il faut penser à tellement de choses. Sur les camions, au moins on va essayer d'en produire. Ça, une nouvelle vidéo de Patrick Boucheron sur Arte. Je sais pas, mais on a peut-être on va regarder un docu sur la Seconde Guerre mondiale, je pense. Après, je couperai vers 22 h parce que j'ai du monde qui arrive à la maison. Mais je fais n'importe quoi. Hop, je vais chercher ça. Est-ce que je peux... En vrai, on est comment sur les avions là? Je vais en ramener un peu ici. Allez, est-ce que ça peut passer là ? Retour sur la Moscova. Ah bah voilà, super. Petit retour sur la Moscova. Mais du coup, mais la Russie est tombée, du coup ça veut dire.
Et le Japon a attaqué de l'autre côté. Aïe aïe aïe, mais ils ont fait notre game d'hier, c'est abusé. Aïe 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 aïe. Tu as plein d'avions sans mission. Aïe aïe aïe. J'ai que ça en sans mission quoi. Faut vous cacher que ça a commencé à être dur. Hein. Les USA sont dans la guerre, ouais, les USA sont dans la guerre, ouais. Parce que là ils ont toutes les ressources et tout, là ça va être chaud. Là ils vont revenir, ils vont contre-attaquer. Dès que c'est prêt, on tente des débarquements à Livourne. J'ai qui tente de débarquer aussi. Ça peut être beau si ça passe à Livourne. Il n'y a pas l'air d'avoir trop d'unités sur les côtés. Il a l'air d'être un peu solo ici, là. Une seule unité. Allez mon grand, allez, tu peux pousser, tu peux le faire. Tu peux réussir à débarquer. Après là si on passe c'est grand, ce serait cool. Allez. Là ça passe pas sur les côtés, là on est, on se fait repousser ailleurs. Allez, ça va, il y a qu'une unité là, on peut y aller là, on peut toucher terre. Est-ce qu'on peut toucher terre, s'il vous plaît? Allez. Voilà, c'est bon, là, à un moment donné, on est bon, là. Ah, ça va passer, là, normalement. Ah bah, merci, il me réaccepte dans les alliés, bah, de rien. Allez, c'est bon, ça va passer, là. Là, on sera dans un port. Et là, il faut tenir le port. Ah voilà, parfait. Là. Attention. Alors peut-être. Ah oui. Gardez vos rangs. Ok, ils prennent le... Attention. Pas de pitié. Ok. Paré. Pas de pitié. Ils arrivent quand les hommes de... Allez, zouf. Repli. Ouais, ça va leur faire tout drôle désormais. Faut qu'on arrive à pousser un peu partout. Pas de pitié. Repli. Nice. Attention. Continuez l'attaque. Ok, donc là on arrive à plusieurs dans la poche là. Attention. Faut que j'attende un peu que mes unités se réorganisent. Allez, est-ce qu'on peut y aller après parce que... J'ai perdu une unité, j'ai perdu deux unités même. Dans l'affaire. Allez, allez, allez!
ça va être chaud quand même. Hein. Parce que là, ils sont quand même bien, ils sont bien rameutés au final. Et ceux de l'autre côté, on peut attaquer un peu pour mettre de la pression. On est un peu mis sous pression, on va pas se le cacher. Ah, les Italiens qui sont... Paré. Attention. Qu'est-ce qu'il y a ? Mon chat qui a faim. Tu joues... Non, ça fait pas très longtemps que j'y joue en vrai. J'ai qu'une petite centaine d'heures sur Hearts of Iron, ce qui n'est pas suffisant pour être un bon joueur de Hearts of Iron. Gardez vos rangs. Du coup, ce qui fait que j'essaye des trucs. Là, c'est plus des games où on tente des choses, on essaye de s'améliorer, on essaye de... Tu vois, de... C'est des games de tentative, quoi. C'est-à-dire, on essaie de pas être trop mauvais, de tenter des trucs, de... Ah, peut-être. Un agent capturé, bon, ok. Mais encore. Retraite ! Bougez-vous ! Ah, elles font enfin leur trêve, c'est... On arrive à peu près à avancer. Hop, si on peut reprendre un port, ce serait trop bien. Donc là, on essaie de percer par endroits. Attention. C'est comment les Allemands en haut là? Ils s'amassent mais ils viennent pas. Continuez d'avancer. Surtout de construire ici. Pas de pitié. Attention. Pareil. Ok, ici j'ai ici. Et... Attention. Ils ont mis 5 divisions là. Oh les coquinous. 5 divisions c'est beaucoup quand même. Et nous dans les apps ça n'avance pas. Beaucoup plus complexe en vrai. Vu que c'est calqué sur l'histoire pour plein de facteurs sans compter l'aspect stratégique etc. Ouais c'est pas simple en vrai. Le jeu est vraiment vraiment difficile je trouve. Il est difficile à prendre en main. Il est difficile à... Ouais, il est vraiment chaud. Il est chaud. Il est chaud à appréhender, je trouve. De manière générale, il te donne pas beaucoup de. Il laisse peu respirer, quoi. Gardez vos rangs. Mais il est intéressant. Ah, on essaie de redescendre. Là, il y a trop d'unités en haut, là. Qui essaie de nous pousser. Repli. On essaie de faire la div, mais là il y a du monde. Surtout que la France est le pays le plus dur à jouer, je pense. Ah, le plus dur, tu penses? Ouais, il est pas simple. Il est pas simple, il est pas simple, c'est vrai. Portugal, Suisse sont cool. Généralement, les nations mineures laissent de la place beaucoup plus à l'attitude pour votre imagination. Bah, la France, c'est pas simple parce que c'est vrai que tu dois faire penser à beaucoup de choses dès le début. Et ouais, t'es en mode putain, il faut réussir à attaquer, à défendre ton territoire, machin. Enfin, tu vois, t'es en mode putain, il faut. T'as beaucoup de choses à penser, quoi. Je trouve. Tu sais, il faut que t'arrives à développer un peu tes armées, t'essaies de. Peut-être pas juste être. De jouer la France un peu miskin, tu vois, de qui attend, tu tentes des trucs. Ouais, c'est pas simple en vrai. Retraite! L'Italie, on aurait peut-être pu le tenter plus tôt en vrai. Retraite!
Paré. Tirs ennemis. Mon chat qui passe comme si de rien. Retraite. On essaie de passer par là. On n'a pas beaucoup de ravito, ça qui est chaud. Retraite. Bon, on a fait une petite poche en Italie, ce qui est pas horrible. En fait, l'idée c'est d'étendre un peu le front pour que ça puisse libérer nous ici, mais pour l'instant ça semble pas passer, ça sert pas à grand chose, donc bon. On va juste attendre un petit peu. Supportable, on rejoint 8 fois par jour les alliés, c'est insupportable. On a des canons, on a des fusils. Qu'est-ce qui nous manque? On peut continuer à aller faire des chars moyens aussi. Hein. Attention. Bougez-vous. Là, on peut aller aussi un peu modifier nos chars et tout. On est en 42. Si nos chars, on peut essayer de... Merci beaucoup Barracuda. Il y a aussi des anarchistes espagnols qui sont chauds et peuvent devenir abusément forts. Ouais, mais les problèmes des anarchistes, c'est qu'ils savent pas qui c'est leur chef, quoi. Du coup, quand tu dois prendre des décisions, bah personne sait quoi faire, quoi. Tout le monde en mode quoi? Mais non, mais si, mais on pourrait faire ça, mais non, mais... Enfin, tu vois, c'est... C'est ça qui est un peu... Des fois, tu te dis, bon, les gars, un effort, quoi, c'est déconné. Les anarchistes peuvent scorer l'ensemble du monde, c'est le seul dans le jeu. Scorer dans le seul dans le monde? Les anarchistes sont sympas, mais tant qu'il ne faut pas charger une ampoule, quoi. Ouais. J'ai un problème, oui, mais non, mais oui, mais en fait, mais non, au final, quoique, mais oui, j'irai en finir pensant. Et c'est insupportable. Insupportable. Genre, franchement, tu te dis, mais comment on va faire, en fait, pour gagner cette guerre? Sachant que là, le problème, c'est qu'on a les... On a vraiment les Allemands qui arrivent, quoi, tu vois. C'est compliqué, quoi. Un peu les Allemands aux trousses, quoi. En tout cas, les Allemands, ils vont ramener tout le monde, quoi. Genre là, ils ont ramené leurs 80... Ils ont ramené 130 divisions. Ma. Ah ouais, là, c'est... Pas vous cacher que c'est complexe, quand même. Finesse. C'est celui de convoi, rien. Il me manque des gens, il me manque... Il faut plus de... Faut que je mette plus de camions. J'essaie d'en mettre un peu plus, mais c'est pas simple. Ah, la Russie est tombée. Ouais, la Russie est tombée, donc je pensais vraiment pas que la Russie tomberait. En fait, le truc, c'est que la Russie est tombée beaucoup plus tôt que prévu. Et il faut que je reconstruise des convois, en fait, c'est ça le truc. Ouais, on voit. Faut que je reconstruise des convois. 130 divisions, ça va être compliqué, quoi. Ah, frustrant. Je pensais qu'on avancerait mieux. Mais bon, de toute façon, c'était une game de test, on le savait. Hein. Il fallait tester des trucs un peu avec, avec la France. Moi, c'est la première fois que je joue vraiment la France solo comme ça. Et en vrai, c'est très intéressant. Tu vois, typiquement, là, qu'est-ce qu'il fait? Là, le franchissement du cours d'eau, moins 40%. Ouais, c'est ça, il y a un cours d'eau aussi. Hein. Continuez d'avancer. Ah, mais c'est le cours d'eau aussi, quoi. On a une grosse attrition, mine de rien. Pas simple. Faut fatiguer les Allemands dans la ligne pour qu'ils s'écoulent sous la Russie. Ensuite, dès que ça plie, tu attaques à la frontière belge. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas facile de... Ouais, je vois. Bougez-vous.
fitness. C'est frustrant d'avoir plein de divisions blindées et de voir qu'elles butent sur 5 divisions d'infanterie. Tu te dis, t'es... comment c'est possible, quoi? T'es mal à taille du Reich. Ils sont gigantesques. Finalement, c'est un peu ce qu'on avait fait avec le Japon. Alors, le Japon, on avait la Chine en plus et tout, mais... il vaut mieux faire de l'artillerie que des chars. Bah, j'ai tenté, tu vois. Je voulais voir les chars français, ce que ça donnait. Et bon, c'est pas... c'est difficile, hein. C'est difficile. Pourtant, tu vois, je me dis qu'on avait des bons templates... peut-être qu'on a... peut-être qu'on pouvait... ah, peut-être qu'on aurait dû prendre de l'artillerie d'appui en plus, là. Ça nous aurait aidé, peut-être. Mais bon. J'avoue que j'essaie à chaque fois de me dire... attention. Tu vois, là, ils ont pas beaucoup de divisions, hein. Continuez d'avancer. Paré. Là, j'ai du mal à me rendre compte. Continuez d'avancer. Là, j'ai pas beaucoup de divisions de chars non plus, hein, tu me diras. C'est surtout des divisions. Gardez vos rangs. Bougez-vous. En fait, j'ai pas tant que ça de division de charge, j'en ai perdu en plus dans la dans l'opération. Bougez-vous. Attention. Il veut pas faire attention. Le tour par un port là. Bougez-vous. On va se mettre sur une case de port et. Voilà. Attention. Gardez vos rangs. Ben c'est ça qui est chaud, c'est le côté. C'est le côté. Ouais, il faut qu'on arrive à faire nos divisions. Bougez-vous. Parfois aussi, ce qui est difficile, c'est le gros défaut qui reste en HUI, je trouve, c'est le retraçage de ligne de front par l'IA qui fait n'importe quoi quand elle évolue. Ouais, des fois c'est compliqué, effectivement. Ouais. Là, il faudrait que j'arrive à passer à un endroit où. Il y a un peu moins de monde, mais tu vois, là, je me dis... tu vois, j'essaie de regrouper mes trois divisions de chars. Tu vois, j'essaie de passer ici. Ouais, mais il y a du monde, quoi. Il transvase aussi du monde, là, quoi. Bougez-vous. Gardez vos rangs. Gardez vos rangs. Attention. Attention. Allez, on les baise. On les baise ici. Continuez l'attaque. On peut pousser jusqu'à Rome comme ça. Gardez vos rangs. Les divisions pas très organisées ici, quoi. Là, ce qui va être chaud, c'est de passer le Rubicon. Passer Rome, là. C'est le Rubicon, ça, d'ailleurs. Gardez vos rangs. Tu vois, là, on a réussi à bien avancer. Attention. Il est temps de libérer le pape. En fait, tu vois, des fois, on passe comme ça, alors qu'on n'a pas l'impression qu'on soit si bien. Et en fait... Bougez-vous. Si les tanks, quand même... en fait, quand on voit que les tanks, t'as quand même une belle percée, quoi, mine de rien. En fait, c'est les tanks qui, quand ils sont bien envoyés, bien utilisés, en fait, font des belles percées. Bougez-vous. Parce que j'ai que 3 divisions de tanks et au final, t'avances, quoi. Toi, tu passes pas l'Italie en 2 parce qu'en fait, ce qui est dur avec l'Italie, c'est que t'as des combats... Ce qui est dur avec l'Italie, je trouve, c'est que t'as des combats dans les montagnes qui sont pas faciles, quoi. Attention. Putain, il fait le taf là de Gaulle là quand même, mine de rien. Il avance le bougue. Gardez vos rangs. Bougez-vous.
Tu vois, c'est le fait d'avoir mieux utilisé les divisions de chars là qui ont aidé pas mal au final. Voilà, Rome qui coupait. Là, si on peut couper ici ensuite derrière. Tu vois, dans le, même si on est dans la montagne. On est comment en France? Bon, ça va, en France ça stabilise. Mais dès que t'arrives dans la montagne, ça devient chaud pour les chars quoi. Ah, j'ai plus qu'une division qui attaque. Gardez vos rangs. Bougez-vous. Au final, c'est fou comment tu. Maybe Italie a pas idéal pour... avec les chars, ouais. Ouais, après, on... ça avance, hein, mine de rien. Repli. On a les Anglais qui gardent la frontière derrière. Bon, on va descendre jusqu'à Naples comme ça. Hein. Hop, on construit des radars. Continuez d'avancer. En fait, dès que t'as plus d'organisation, tu fais une petite pause, ça revient, on est... Tu vois, on va... Paré. On va ramener les divisions par là-bas, là. Attention. Retraite. Là, on doit franchir un fleuve, donc ça va pas être facile. Bougez-vous. Continuez d'avancer. Est-ce que ça peut nous aider si on est plus là? Pareil. Si on force un peu à plusieurs là. Ouais, c'est vraiment le fait de passer le fleuve qui nous met dans la sauce quoi. Bon, 40%. C'est un peu dur. Continuez d'avancer. Ah, je vais remonter. Je vais monter par en haut, là il y a moins de divisions, ils ont ramené du monde en bas, mais... Je pense qu'on peut tenter quelque chose en haut, là. Gardez vos rangs. Si on arrive à passer là, là... Bougez-vous. Là c'est les montagnes du coup. À moins 63 d'attaque et moins 63 de percée. Ah waouh. On se fait bézouzou. Bougez-vous. Là, on a trop de montagnes. À la montagne, c'est dur, hein. La montagne, c'est trop compliqué à passer en fait, c'est ça le problème. Sente, c'est un plein. Ah, ici là. Pareil. En plus, ils viennent d'attaquer là. Retraite. Pas de pitié. On n'arrive pas à avancer encore. Ok. Là, si on arrive à passer dans le sens, voilà, ce serait bien. Bougez-vous. Attention. Attention. J'ai pas de... J'ai pas récupéré du tout d'aéroport. Je peux passer là. Et là, j'ai peut-être des avions. J'ai très peu d'avions qui peuvent arriver, quoi.
Compliqué. Est-ce que je peux envoyer un peu plus de monde ici, peut-être? Continuez l'attaque. Bougez-vous. Bien sûr, ils passent ici, donc il faut que je refasse un front avec. Attention. Là, pour passer mes hommes 1 à 1 là, quand même. Attention. Ok, j'ai mes 3 divisions ici. J'ai mes convois qui commencent à se refaire un peu. Attention. Attention. Qu'est-ce qu'on essaie de... Ouais, Florence, ça passe pas, quoi. Putain, on a toujours le terrain qui est terrible ici. Repli. Ouais, compliqué le terrain. Je peux refaire les templates, mais c'est le mieux. Faut refaire les templates, mais c'est le mieux. Gardez vos rangs. Gardez vos rangs. Est-ce que je peux refaire un débarquement d'ici à... à Naples. Hop. Attention. Paré. Attention. J'ai mon carburant qui est dans la sauce de ouf. Putain, mais vraiment là, l'IA qui me sort et qui me re-rentre dans les alliés. Bon, on va peut-être pas trop tarder à passer au documentaire aussi hein, d'ailleurs, parce que en vrai là j'enchaîne mais. Mais ouais. D'ailleurs j'ai plus beaucoup de carburant là. Un peu chaud. Je vais peut-être demander à ma marine de rentrer. Depuis les grolles est rentré à Melun. Parce qu'en vrai c'est chaud. Sur mes convois, je suis comment J'en ai mais pas beaucoup quoi. J'ai pas d'avoir tant que ça à le monde. Est-ce que je peux repousser Il va falloir juste que ma marine m'aide sur ça, hop. Il est où notre petit... Attention. Attention. Bougez-vous. Ok, guerre entre le Japon et l'Allemagne, ça va nous aider. Ah, les alliés sont arrivés. Le Brésil est arrivé. Oh, le Brésil est en Sicile. Ah, mais devoir traverser le ici le truc là, c'est quand même dramatique. Au final là. Barré. Ah bah les alliés ont débarqué de l'autre côté. Eh, nous aussi on a réussi à débarquer en vrai. Gardez vos rangs. Nous aussi hein.
Les Allemands qui vont devoir rebouger des divisions. Les Allemands qui doivent du coup refaire la guerre. Ah non, ils sont alliés avec le. Ah non. Ah si, ils sont en. Ah non, ils sont en guerre contre les alliés, le Japon, c'est ça. Tu prends gêne, t'as un. Continue. Ouais, mais je vois. Ouais, c'est vrai que j'ai quasiment pris gêne, mais. Tirs ennemis. Okay, je peux pas. Bougez-vous. C'est ce qu'on peut pousser sur gêne, c'est ça que je me dis. Gardez vos rangs. Bougez-vous. Tu vois, là, je me dis quand même, c'est fou. On a 3 divisions blindées contre 2 petites divisions. Contre seulement 2 divisions d'infanterie. Je me dis, ça passe pas, quoi. C'est ça qui est fou. Mais qu'est-ce qui fait qu'on passe plus? Enfin, de la pression de l'autre côté, quoi, aussi, mais. L'Italie, ça sent le roussi. Ouais, l'Italie, heureusement que nos alliés ont fait le café. Hein. Les Anglais qui ont débarqué. Ah, l'Italie, ils sont obligés de tenir le nord, là, mais le sud, c'est dramatique pour eux. On est pas en train de faire tomber ici aussi. Alors, ils ont beaucoup de divisions là, du coup, mais. Attends, je vais remonter notre cher. Parce qu'en vrai, les Anglais au sud, ça va se passer pour eux. Ça sert à rien, juste peut-être qu'ici, on peut réussir à faire quelque chose. On pousse sur Gêne des deux côtés. Tirs ennemis. Ils sont beaucoup, quoi, ça le problème. Sur cette case en particulier, ils sont beaucoup. Continuez d'avancer. Tirs ennemis. On avance dans le nord aussi au final. Continuez d'avancer. Si je peux faire une petite poche ici là. Oh, ils m'ont encore exclu de la faction, les Anglais, c'est insupportable. Là, ce serait bien de faire rejoindre le tout. Ouais, c'est ça, mais c'est pour ça que j'essaie de pousser là. Allez. Retraite. De pousser ici, mais c'est pas simple. Et du coup, on est plus dans la faction. Le Royaume-Uni, mais c'est pas possible. Les Anglais, ils sont en mode. Est-ce que vous venez avec nous? Est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que vous êtes contre nous? Est-ce que vous êtes un peu avec nous? Mais est-ce que vous êtes finalement aussi pas un peu contre nous? Attention. Insupportable, les Anglais. Attends, je suis pas en guerre contre les alliés là quand même. Ah si. Ah non, c'est l'Italie, pardon. Non, je croyais que c'était en guerre contre nous, mais. Non, pardon, c'est l'Italie, pardon. En mode. Par contre, on a tellement d'attrition là. Gardez vos rangs. Je comprends pas trop comment ça se fait qu'on a là. On n'avait pas attention. Forcément avant. Continuez d'avancer. Gardez vos rangs.
J'arrive pas à prendre gêne. On voit qu'il remonte, mais pour le coup les... Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils nous, ils nous font... Continue ah, l'attaque. Super. Pas de pitié. On s'est fait une petite frayeur, on va pas se cacher. Continue d'avancer. En fait, je crois que j'ai trop de divisions mécanisées. Attention. Juste ici. Attention. Pas de pitié. En fait, c'est mes alliés. En fait, c'est mes... En fait, c'est les Américains qui sont arrivés ici et qui prennent tout. C'est une dinguerie. Attendez, est-ce que je peux faire quelque chose? Parce qu'il y a trop de monde au mètre carré, en fait. Gardez vos rangs. Bougez-vous. Gardez vos rangs. Est-ce qu'on peut passer là ou pas? Bon, je vais peut-être passer un débarquement en Sicile. Mais après, il y a déjà du monde en Sicile. Il y a déjà le Royaume-Uni. Gardez vos rangs. Donc en vrai, les Italiens, c'est fou qu'il n'y ait pas encore la guerre civile d'ailleurs en Italie, en vrai, pour le coup. Allez, on se bouge. Les Allemands qui ont toujours 80 divisions là, ok. Gardez vos rangs. Non, pas non, de pitié. C'est là. Allez, on se bouge. Revenez. Il n'y a personne là. Retraite. Continuez d'avancer. Continuez l'attaque. Allez, allez, allez. Allez, on pousse là, hop. Ah, on a été repoussé direct, bon. D'accord. Bougez-vous. Continuez d'avancer. Est-ce que ça peut passer là, du coup, à Gênes? À Gênes, ça va le faire. Let's go, on a pris Gênes. Bougez-vous. Et du coup, ça fait un seul et même front. Bougez-vous. Bon bah voilà. Hey. Comme si ça avait été facile. Bon bah voilà. Depuis le début, c'est ce que je disais. Il fallait le faire comme ça. Il fallait prendre Gênes, c'est ce que je disais. Attends, on est combien de nations là sur, juste sur l'Italie? L'arrêt à pro qui souffle fort. L'arrêt à pro avec un nouveau port là, ça fait plaisir quoi. Allez, allez, allez. Ah, t'essaies d'avancer un peu partout mais. L'arrêt à pro qui est en mode enfin on peut exister. Ah Gênes, y a pas de plaisir. Ah bah Gênes, y a. Pareil. Allez, on pousse avec les Anglais aussi en même temps. Allez, tout droit, c'est tout droit maintenant. Ok, là je pense qu'on a fait craquer...
contrôle du territoire italien. Les États vont être transférés au Royaume du Sud. Ah non, maintenant il y a la République sociale d'Italie. Ah, du coup, ça c'est les fascistes, ok. Bon, du coup, maintenant on peut. Continuez l'attaque. Du coup, maintenant on a ici 23 divisions. Bon, de là, hop. Paré. Maintenant, on a aussi ici, hop. On a une vingtaine de divisions qui vont de là, hop. Attention. On va faire un fer de lance ici, hop. Voilà. J'ai plus de recherche depuis longtemps de ce que je crois comprendre. On est en 43. On est dans les timings de l'époque. Continuez l'attaque. Les fusils, on est comment? T'en as tellement de fusils. Mais ils sont où, les fusils? T'en as du fusil, ça, on en a. Hein. Il y a du monde dans le... Continuez d'avancer. Ouais, on avance de manière agressive. La Suisse qui se passe là. Ils ont pas de ravito dans les montagnes là. Ils ont 13 divisions là qui m'attendent. Oh là là. Ça fait beaucoup de divisions quand même. Hein. On prend le piémont, camarade. Ah bah là on est. On va réussir à avancer, je sais pas. Hein. Continuez d'avancer. Là, ils sont beaux, ils ont plus de divisions que nous, quoi. Là, clairement, c'est aussi le nombre qui fait que. Ouais, genre, en vrai, je fais. Je pourrais refaire des divisions là, quand même. Hein, parce que pour le coup. Enfin, je vais regarder mes lignes de réa pro. Derrière une rivière aussi, ouais, c'est pour ça. La rivière, c'est chaud à passer. Attention. Et là, est-ce que je peux prendre... Pareil. Bougez-vous. Repli. Compliqué. Bon,
C'est possible d'attaquer en Suisse ou c'est comme Yael. Tu peux attaquer en Suisse selon certains scénarios, etc. Ouais, bien sûr. Bon. Est-ce que on s'arrête ici pour aujourd'hui? Après, on commence le docu parce que sinon, on n'aura pas le temps de faire le documentaire live histoire si on s'arrête là. Enfin, si on continue, parce que sinon, on est parti jusqu'à 22h et 22h, il va falloir que je coupe malheureusement. Parce que là en vrai, la partie elle va bloquer un peu, elle va bloquer un petit peu en vrai jusqu'à ce que voilà quoi. C'est quoi le thème du docu? Bon, on va faire un thème, je pense, Seconde Guerre, à mon avis, vu qu'on est le 8 mai quand même. Oula.